Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de gameplay sur le Steam Deck et cette fois-ci, on va jouer ensemble à Puyo Puyo Tetris 2 The Ultimate Puzzle Match. Donc une licence que je kiffe, surtout les Puyo Puyo depuis Dr. Robotnik sur Mega Drive. Ici donc c'est une licence qui regroupe les deux licences, donc Puyo Puyo et Tetris. Et on peut se faire des combats en alternant les deux styles de jeu. Et franchement, c'est assez sympathique. Donc ça existe sur toutes les machines, hein, PlayStation 4, enfin PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, et sur PC évidemment, étant donné que j'y joue ici sur le Steam Deck. Donc voilà, on peut jouer en façon rien que Puyo Puyo, façon que Tetris, ou alors un mélange des deux. Menu principal. Tac. Donc vous avez le mode aventure, le mode solo, un mode multi, les leçons, un mode en ligne et les options et données. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va pas faire le mode aventure, on va faire un mode solo. Un petit versus. Tac. Combat. Donc on a plusieurs persos à choisir, il y en a à débloquer également, vous voyez ils sont pas affichés, il y en a 6 à débloquer. On peut jouer avec Sonic, il y a plusieurs personnages, tous très mignons, ils sont vraiment sympas. Bon, moi je vais prendre Sonic forcément. Tac. Et le style de jeu, soit Tetris, soit Puyo Puyo. Bah, je vais prendre Puyo Puyo. Ok. Et l'adversaire. Ah, je pouvais choisir l'adversaire. On va prendre ce personnage bizarre. O. Ou 0. On va le mettre aussi en Puyo Puyo. Voilà, je pouvais choisir un mode Tetris pour lui. On peut personnaliser les différentes options aussi, proposer un handicap, etc. Donc on va faire un match normal, on va voir si je m'en sors. Donc la difficulté du personnage étant normale. Tac. Et il faut regrouper donc les petites bestioles, les petites gouttes par couleur. Et quand on regroupe par 4 ou 5, ça envoie des petites gouttelettes chez l'adversaire. Et forcément, elles sont transparentes, donc elles sont transparentes, donc il va avoir un peu de mal à faire des... Comment j'en perds mes mots ici, tellement je suis concentré à faire des... Enfin, de regrouper ses couleurs à lui, quoi, voilà. Il faudrait que j'ai un bleu, moi. Là, on va le laisser comme ça. Oula, il s'énerve. Et quand vous regroupez vos couleurs par 4, si vous avez une transparente tout près, bah la transparente, là où les transparentes vont s'effacer. Ouh là là, ça, il s'en donne à cœur joie là. Tac. Allez, normalement, ça devrait être bon. Yes. Voilà, on a gagné la première manche.
Ouf-ti, nom de Dieu. Oh là 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 là, ce carnage. Ah là, il va m'avoir. Hein. Oh là 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 là. Il se venge, là, c'est foutu pour moi, là. Ouf. Un petit peu de bol, mais... Ah. Oh là 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 là. J'ai essayé, mais vous voyez, c'est pas toujours évident, hein. Oh. Ah, je sais pas ce qu'il a tout d'un coup là, mais waouh! Quel enfoiré! Oh, quand c'est comme ça, ça m'énerve. Là, j'aime autant faire le con et partir direct. Allez, on va choisir la règle. Est-ce qu'on peut changer combat de talent? On va tester ce que c'est. Ah non, c'est peut-être à plusieurs, je pense, là, joueur 1. Ouais, ça y est, on va voir ce que c'est. Jouer, tiens. C'est quoi ici? Ah ouais. Puyo Puyo contre Tetris. Oh là 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 là, j'entends qu'ils mettent les pièces, vas-y. Ouf, petit nom de Dieu. On fait des combos, ça c'est chouette. C'est pas toujours évident. Waouh! Punaise, et c'est chaud boulette. Hein. Pourtant, j'avais pas rempli tout ma truc. J'ai rien compris là. On va se refaire un petit versus, tiens. Au groupe fusion, c'est quoi fusion? Ça tombe simultanément. On va essayer. Hein.
Bon, je vais prendre ce perso là, amitié. Contre, j'avais pu choisir l'autre, là on va prendre S. Ouf, maintenant cette Tetris. Putain, c'est space ce monte. Waouh! Avec la musique qui change aussi, c'est excellent. Oh nom de Dieu! Et c'est space! Waouh! Prends ça dans ta tronche. Et c'est... waouh. Oh purée! Je suis encore foutu, hein. Bref, j'ai trop rien compris à ce mode de jeu non plus. C'est la vidéo de la pitié, hein. Je perds plus que je gagne. Mais voilà, vous voyez du gameplay, c'est le principal. Bon, moi je m'en tiendrai au mode classique, quoi. Hein. Parce que là, je... Enfin, faudrait peut-être quand même que je m'y attarde pour essayer de comprendre les règles aussi. Ce serait pas du luxe. Change comme ça, c'est pénible. Bon, les couleurs, apparemment, ça s'assemble quand même. Pas toujours, je vois. Oh, mais c'est quoi ça? Je piche que dalle. Piche rien. Oupsie.
Pourquoi les cubes, des fois les blocs, ça fait descendre les lignes, j'ai rien compris. Oh là là, ça m'a rassuré. Il se déchaîne. Waouh. Bon, on va se refaire une petite partie classique pour terminer, j'espère, en beauté, parce que là, waouh. On va quitter. Si je prends le mode aventure, c'est quoi? On va essayer. Ah ok, c'est comme ça. I'm here. It's such a peaceful day. So peaceful. It's so peaceful. I could just sing at the top of my lungs. Actually, come to think of it, as great as peace is, could it be more fun if something crazy and over the top happened? Like if all my friends just came bursting out of the sky. But that's nonsense. Something like that would never happen on such a peaceful day, huh? Oh my! Incroyable. What's happening? Incredible. I think someone's bursting out of the sky. Ouch! Where am I? Pipi. Ouais, pipi. Ah, well, can't say I expected something like this. Hey, Mr. Tight Clothes Skydiver. Are you okay? Bibi! Oh, hey there, little yellow guy. Ah, il est bien chiant, yellow guy. I'm fine. Captain's report. We've been summoned here by the Keeper of Dimensions, X. We appear to have crash-landed. And we've done so right in front of a young girl with unusual hair. Is he reporting to that yellow ball? Bon, il y a beaucoup de blabla, évidemment, dans le mode histoire. Hang on. Haven't we met with... You know, I was actually fatigued. Oh, glad to see... Whoa! Hey, you, with the weird outfit. I was just about to remember something, but you crashed. You look kind of familiar yourself, but enough distractions. Between this guy with the super tight clothes, how the heck am I supposed to process what's going... I'm sorry, but there's no time to explain. Ringo, T, I know this is sudden. Okay, sure. It's just like that old saying goes, when things don't make sense... That's gotta be why you want us to battle, right? Exactly. Of course. Whenever a problem presents itself, the only solution is to battle. Yippee, bee, bee, bee! Hey, you're pretty sharp. Well, you said it best yourself. Now, right, let's do this. Puyo Puyo time! Tetris time! It's on! Huh? He doesn't play Puyo Puyo? She doesn't play Tetris? But that's... Oh non, we're starting. Voilà. Allez, c'est y part. Donc moi c'est Puyo Puyo et lui c'est Tetris. Yeah.
fait exprès de faire ça pour essayer de faire un petit combo, mais... Nom de Dieu, je vois qu'il s'y met déjà. Ça me stresse déjà. Merde, parce que ça me stresse de voir qu'il envoie cette truc et... Yes, eh ben pour une fois. Waouh, c'était chaud quand même, purée. Tchou. Une étoile seulement sur trois. Allez, on refait encore une petite et puis on arrêtera là. We were still able to battle even though he was using blocks instead of Puyos. And I wasn't half bad myself. What were those squishy blobs with? It appears that when four or more of the same color map... I couldn't have described Puyos better myself. You really... And you've got some serious skills. Lining those shapes up and erasing them? Ah, those shapes are what we call tetraminos. But first things first. You would allow me to properly introduce myself. I'm Captain T of the SS Tetra. I'm also the Tetris King. Well, my name's Ringo. I'm just a normal junior high student who's crazy about Puyo Puyo battle. Wait a second. I knew it. We have met before. Pee-pee-bee-bee! Excellent. You managed to... Oh, it's the confusing outfit guy. Yes, that's me. Anyway. Phew. Although, I know this is out of nowhere, but I need your help. Some kind of strange phenomenon is there. It's trying to merge the worlds of Puyo Puyo and Tetris, yet it'd already been separated once before. Wait. Hold it right there. Separated once before? Does that mean this isn't the first time this has happened? That doesn't matter now. While the two worlds had previously merged, the circumstances this time are... Someone is behind all this. If the worlds merge, we'll be consumed by un... And it seems someone is intent on an... Oh! Sorry, this all just sounds like a human... Honestly, it's kind of going over my head, but... Zola, si je passe le dialogue un peu plus rapidement, pas que la vidéo dure deux plombes, parce qu'on est déjà 27 minutes quasi. You're what now? Jeez, I didn't mean to yell at him, but what the heck? Hang on!
on, Mr. Fancy Suspenders. Are you going to help us or not? I'm sorry, Ringo, but I have matters of my own to tend to. There's an important task I... And with that, I must return to my... I know we'll see each other again, but for now... X, wait! I must leave it in your... Find out who's behind all this. Vous avez vu quelques modes de jeu, un mode histoire. Well, better get... You're handling this quite... Yep, I stay calm. Besides, I can already tell this is going to be... I can't take it. I'm so... Let's do this! Even outrageously impossible requests like... It's curious. I can't tell my left from my right, yet here I stand, undaunted. Peep, peep, peep! I'm here! It's so... Quoi? Merde. Je sais pas ça que je voulais faire. C'est avec la croix de direction qu'il fallait... Non, je veux quitter la... Tac. Ah, il fallait faire le bas. Ok. I'm here. Okay, so we've been asked... Voilà, on va passer les dialogues, comme ça. On met pas de plomb. Et là, c'est Puyo Puyo contre Puyo Puyo. Merde, j'aurais dû les mettre de l'autre côté. Hein. Hey, tu vas te calmer. Tiens. Yes. On finit en beauté, les amis. Et avec 3 étoiles, cool, ça c'est nickel. Waouh. Voilà, voilà, les amis. Ben, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à lâcher le petit pouce bleu qui fait super plaisir et qui aide à référencer la vidéo qui est de la chaîne. Laissez-moi un petit commentaire, je vous répondrai et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, prenez soin de vous, surtout jouez bien. Ciao, ciao.